Ils prirent donc Jésus et l'emmenèrent. Il dut porter lui-même sa croix pour sortir de la ville et marcher jusqu'à un endroit appelé le lieu du crâne, Golgotha en hébreu. C'est là qu'il fut crucifié. Et ils crucifièrent aussi deux autres hommes, un de chaque côté, Jésus au milieu. Pilate fit faire un écriteau qu'il fit poser sur la croix. Dessus, il y avait écrit « Jésus de Nazareth, roi des Juifs ». Beaucoup de gens le lirent, parce que l'endroit où Jésus avait été mis en croix se trouvait près de la ville. Et l'inscription était écrite en hébreu, en latin et en grec. Les chefs des prêtres dirent à Pilate, « Plutôt que roi des Juifs, tu devrais écrire à la place. » « Cet homme a dit, « Je suis le roi des Juifs. » Ce que j'ai écrit restera écrit. Après que les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses vêtements et ils en firent quatre parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique, tissée d'une seule pièce et sans couture. Entre eux, les soldats se dirent, « Ne la déchirons pas, mais jouons-la au dé pour savoir qui la gardera. » Voici donc qu'allait se réaliser cette parole de l'Écriture. « Ils se sont partagés mes vêtements, et ils ont tiré au sort ma tunique. » Et c'est ce que firent les soldats. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, et la sœur de sa mère, Marie, la femme de Clopas, ainsi que Marie de Magdala. Jésus vit sa mère, et auprès d'elle, le disciple qu'il aimait. Voici ton fils. Puis il dit au disciple, voilà ta mère. Et dès cet instant, le disciple la prit et l'emmena vivre chez lui. Ainsi, à présent, Jésus savait que tout avait été accompli. Et afin que l'Écriture se réalise, il dit, j'ai soif. Il y avait là un vase, plein de vinaigre. Alors une éponge fut trempée dans ce vinaigre, fixée à une branche d'hysope, et portée jusqu'à ses lèvres. Jésus but le vinaigre. Puis il baissa la tête et rendit l'âme. Les autorités juives demandèrent à Pilate l'autorisation pour qu'on brise les jambes de ceux qui avaient été crucifiés et qu'on descende leur corps des croix. Ils firent cette requête car c'était un vendredi. Et il ne voulait pas que les corps restent sur la croix pendant le sabbat. D'autant que ce sabbat-là était particulièrement important. Alors les soldats vinrent et brisèrent les jambes du premier supplicié, puis celles du second des deux hommes qui avaient été crucifiés avec Jésus. Puis vint le tour de Jésus. Ils virent qu'il était déjà mort et ne lui brisèrent pas les jambes. Cependant, un des soldats lui perça le flanc avec une lance.
et du sang et de l'eau en sortirent aussitôt. L'homme qui a été témoin de ces faits les a racontés afin que vous puissiez croire aussi. Son témoignage est vrai, et il sait, lui, qu'il dit la vérité. Cela s'est passé de sorte que soit réalisé ce passage de l'Écriture, aucun os ne lui sera brisé. Il y en a d'ailleurs un autre qui dit : ils le regarderont, lui, qu'ils ont transpercé. Après cela, Joseph, qui était de la ville d'Arimathie, demanda à Pilate l'autorisation de récupérer le corps de Jésus. Joseph était un disciple de Jésus, mais en secret par crainte des autorités juives. Et Pilate lui permit de le prendre. Donc Joseph vint et emporta le corps de Jésus. Nicodème, celui qui une fois était allé voir Jésus pendant la nuit, accompagna Joseph, emportant avec lui près de 30 kilos d'épices, un mélange de myrrhe et d'aloès. Les deux hommes prirent le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandes de lin, avec les épices conformément à la coutume juive, lorsqu'ils préparent un mort avant de l'enterrer. À l'endroit où Jésus avait été mis à mort, il y avait un jardin, et dans ce jardin, un tombeau tout neuf, dans lequel on n'avait encore mis personne. Comme c'était la veille du sabbat et que le tombeau était tout près, c'est là qu'ils déposèrent le corps de Jésus.